J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Quatre fois au musée. Quel musée à Hiroshima? À Hiroshima, j'ai vu les gens se promener. Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose. Les photographies, les reconstitutions, faute d'autre chose. Les explications, faute d'autre chose. Quatre fois au musée à Hiroshima. J'ai regardé les gens. J'ai regardé moi-même, pensivement, le fer brûler, le fer briser, le fer devenu vulnérable comme la chair. J'ai vu des capsules en bouquet. Qui y aurait pensé? Des peaux humaines flottantes, survivantes. Encore dans la fraîcheur de leur souffrance. Des pierres brûlées, des pierres éclatées. Des chevelures anonymes que les femmes de Hiroshima retrouvaient tout entières tombées le matin au réveil. J'ai eu chaud, place de la paix. 10 000 degrés sur la place de la paix. Je le sais. La température du soleil sur la place de la paix. Comment l'ignorer? L'herbe, c'est bien simple. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. Les reconstitutions ont été faites le plus sérieusement possible. Les films ont été faits le plus sérieusement possible. L'illusion, c'est bien simple, est tellement parfaite que les touristes pleurent. On peut toujours se moquer. Mais que peut faire d'autre un touriste que justement pleurer? J'ai toujours pleuré sur le sort de Hiroshima. Toujours. Non. Sur quoi aurais-tu pleuré? J'ai vu les actualités. Le deuxième jour, dit l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Dès le deuxième jour, des espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres.
Des chiens ont été photographiés pour toujours. Je les ai vus. J'ai vu les actualités. Je les ai vus. Du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Tu n'as rien vu, rien. Du quinzième jour aussi. Hiroshima se recouvrit de fleurs. Ce n'était partout que bleuets et glaïeuls et volubilis et belles d'un jour qui renaissaient des cendres avec une extraordinaire vigueur inconnue jusque-là chez les fleurs. Je n'ai rien inventé. Tu as tout inventé. Rien. De même que dans l'amour, cette illusion existe, cette illusion de pouvoir ne jamais oublier. De même, j'ai eu l'illusion devant Hiroshima que jamais je n'oublierai. De même que dans l'amour. J'ai vu aussi les rescapés et ceux qui étaient dans le ventre des femmes de Hiroshima. J'ai vu la patience, l'innocence, la douceur apparente avec lesquels les survivants provisoires de Hiroshima s'accommodaient d'un sort tellement injuste que l'imagination d'habitude pourtant si féconde devant eux se ferme. Écoute. Je sais tout. Ça a continué. Rien, tu ne sais rien. Les femmes risquent d'accoucher d'enfants malvenus, de monstres. Mais ça continue. Les hommes risquent d'être frappés de stérilité. Mais ça continue. La pluie fait peur. Des pluies de cendres sur les eaux du Pacifique. Les eaux du Pacifique tuent. Des pêcheurs du Pacifique sont morts. La nourriture fait peur. On jette la nourriture d'une ville entière. On enterre la nourriture de villes entières. Une ville entière se met en colère. Des villes entières se mettent en colère. Contre qui ? La colère des villes entières ? La colère des villes entières, qu'elles le veuillent ou non, contre l'inégalité posée en principe par certains peuples contre d'autres peuples. Contre l'inégalité posée en principe par certaines races contre d'autres races, contre l'inégalité posée en principe par certaines classes contre d'autres classes. Écoute-moi, comme toi, je connais l'oubli. Non, tu ne connais pas l'oubli. Comme toi, je suis douée de mémoire, je connais l'oubli. Non, tu n'es pas douée de mémoire. Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Comme toi, j'ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte, de toutes mes forces, chaque jour, contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire ? Écoute-moi, je sais encore, ça recommencera. 200 000 morts, 80 000 blessés en 9 secondes. Ces chiffres sont officiels. Ça recommencera. Il y aura 10 000 degrés sur la Terre. 10 000 soleils, dira-t-on. L'asphalte brûlera. Un désordre profond régnera. Une ville entière sera soulevée de terre et retombera en cendres. Des végétations nouvelles surgissent des sables. Quatre étudiants attendent ensemble une mort fraternelle et légendaire.
les sept branches de l'estuaire en delta de la rivière Ota se vident et se remplissent à l'heure habituelle, très précisément aux heures habituelles, d'une eau fraîche et poissonneuse, grise ou bleue, suivant l'heure et les saisons. Des gens ne regardent plus le long des berges boueuses la lente montée de la marée dans les sept branches de l'estuaire en delta de la rivière Ota. Je te rencontre, je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues, tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais, quel événement! Tu me plais, quelle lenteur tout à coup, quelle douceur! Tu ne peux pas savoir. Tu me tues, tu me fais du bien. Tu me tues, tu me fais du bien. J'ai le temps, je t'en prie, dévore-moi, déforme-moi jusqu'à la laideur. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, dans cette ville et dans cette nuit, pareil aux autres au point de s'y méprendre? Je t'en prie.